premier magasin Moto Blues et le siège social doit se situer ici, là, à gauche, pas très loin. À droite, donc maintenant tout est végétalisé, en fait, sur les anciennes friches minières. Et comme il y a eu des affaissements miniers, il y a eu la création spontanée de tas de lacs, d'étangs, de mares. Fait une petite erreur puisque je suis pas passé là depuis un petit moment. Donc, j'ai induit en erreur aussi le conducteur qui arrivait de la droite. C'est gentil là. Merci. Terrine mine là-bas à gauche, et il y en a un devant nous, un petit peu sur la droite. On bénéficie d'un très très bel éclairage. Essayer de prendre le contournement de Carvin. Carvin, c'est déjà pas facile à traverser à moto. C'est des petites rues, la moto chauffe, il y a plein de zones à 30. La dernière fois, il y avait plein de travaux. Alors, j'espère que je vais trouver le contournement de Carvin sans problème. Comme Vanna, je fais le tour, hein, Skla, ben voilà. Voilà, voilà. Et comme ça, on peut voir le terrain de mine. Il est des plus proches de la métropole lilloise. Et qui est en train de se végétaliser. Alors, dans les ronds-points, attention aux pertes d'adhérence éventuelles. That's good. It's perfect. Voilà. Voilà, on a pris le contournement de Carvin. Alors là, une visibilité à peu près correcte pour doubler.
j'ai pas le pied d'accélérateur, mais relâcher la poignée des gaz. Pour pas risquer de perdre des points et surtout d'y laisser de l'argent. Les points, ça se récupère. L'argent, un peu moins. Alors, regarde la route, toi, au lieu de t'occuper de ton pare-soleil. Alors, dis-toi de ton pare-soleil, mais en regardant la route, s'il te plaît. C'est gentil, ça, tu fais sur le côté, ça c'est hyper sympa. Merci. Alors, humidité, arbre. J'ai la poignée de gaz, allez, sec, on remet les gaz dans la limite du code de la route. Alors, direction Sclin. Direction Sclin. Oh putain, là ça a glissé. Alors oui. Là, comme c'est une route sur laquelle on a tendance à accélérer, malheureusement il y a eu beaucoup d'accidents. Donc certains accidents mortels au cours de ces derniers mois vont mettre des limitations de vitesse et des giratoires. Voilà, mais alors, quand on fait un carambeau, il faut se mettre à 50. Alors, on va jouer au motard, mais faire attention. Hop là. Merci. On va y aller doucement mais sûrement. Ça c'est le beau camion. Ah non, ça c'est un FZ. Et tout à l'heure c'était un FS. Merci. Par contre ici c'est 50. Gaz. De la terre à cause des travaux. Alors c'est bon. Vous savez qu'on est en semaine. Complètement paumé. Quand on ne travaille plus, il n'est pas facile d'avoir des repères chronologiques dans la semaine. J'ai toujours tendance à prendre le vendredi pour un samedi. Là.
Ici, nous sommes à hauteur de Falampin, à droite. À droite, il y a la LGV Nord et juste après la 1. Et comme sur l'hôpital de Seclin, là-bas, Seclin ou Sclin, pour les gens du cru. Alors là aussi, là, le giratoire est fonctionnel. Une Fiat 500 hybride. Alors je sais qu'il y a aussi une 100% électrique. J'ignorais qu'il y avait une hybride. Ouais. Tout neuf le giratoire. Je suis asphyxié par le diesel du camping-car. Il va avoir un moteur diesel du dernier quart du 20e siècle et qui asphyxie. Il y a peut-être autant de monde parce qu'on approche de midi. Il y a peut-être des gens qui vont aller déjeuner. L'heure, on va prendre la direction de la maison pour une balade cet après-midi. Allez, on joue au motard, il y en a marre. Dire merci à la petite personne derrière qui m'a gentiment laissé passer. Quand même, la ligne blanche induit qui occupe toute la largeur. J'ai dû passer un bon moment sous les arbres, hein, ce camping-car. Ah oui, c'est tout, il est réimmatriculé de façon très récente. Mais alors, l'asphyxie, là, hein, sous le diesel. Merci. Alors, à l'ombre, feuillage, humidité égale perte d'adhérence. Bon, allez, plus l'heure, on rentre à la maison.
Et là, nous sommes à l'entrée de Sclin, là où passe très régulièrement Kips 09. Et à droite, dans le temps, il y avait une sucrerie qui traitait les betteraves, avec un énorme bassin de rétention. Tout ça a disparu. Bon, ça a été en friche pendant au moins 30 ans, je pense. Hop là. Alors, on va quand même pas prendre la 1. Je vais prendre la vieille route.